On a les clés. Petit paradis, on verra ça. Bienvenue à 15 minutes en bus de la place Stanislas, la fameuse place de Nancy, peut-être la plus belle place d'Europe, paraît-il. Je vous emmène dans cet appartement que j'ai dégoté sur Booking, qui se trouve, eh bien, boulevard de Strasbourg. Un appartement d'environ 40 mètres carrés, où j'ai séjourné pour 5 jours et 4 nuits. C'était un appartement dont j'ai eu un coup de cœur, notamment pour sa décoration sur le site. Et puis en vrai, il s'est avéré encore mieux que ce que je pensais. Très confortable, car tout équipé, lumineux et surtout spacieux, idéal pour un séjour d'une petite semaine, seul ou en famille. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est tout simplement la cuisine. La cuisine, c'est, je trouve, le cœur d'une maison, et cette cuisine-là, elle est végétalisée, donc il y avait des vraies plantes, et pour moi, c'est hyper important, vous me connaissez. Et puis surtout, une cuisine tout équipée, il y avait tout ce dont j'avais besoin pour ne pas avoir, eh bien, à manger dehors ou à faire 36 000 courses, car c'était une cuisine tout équipée. En termes de rangement, en termes d'ustensiles, en termes d'organisation, en termes de produits même de cuisine, je n'avais quasiment rien à acheter, étant donné que je pense que les précédents voyageurs ont laissé un petit peu eh bien, ce qu'ils avaient acheté. Des pâtes, du sel, du poivre. J'ai eu très peu de choses à acheter, et j'ai pu surtout faire de la cuisine de manière très confortable, et ça, c'était vraiment l'idéal. D'ailleurs, cette cuisine me donne beaucoup d'idées pour la mienne, notamment avec la hotte, notamment avec les plantes. Vraiment, cette cuisine est top. Ma deuxième pièce préférée, ce fut eh bien la chambre. Une chambre qui, à mon avis, fait 8 mètres carrés, et puis surtout avec son miroir. J'aime beaucoup les miroirs, car ils donnent de la luminosité et de l'espace. Et puis le lit de place, hyper confortable. Et juste à côté, nous avions eh bien la salle de bain. Une salle de bain qui m'a agréablement surprise, car elle était assez moderne. Je ne m'attendais pas à ça pour quelque chose de finalement assez classique vu de l'extérieur, hein. Mais en fait, c'est une salle de bain très moderne, gris, blanc, transparence, et puis surtout le miroir avec rétroéclairage idéal pour les maquillages et les soins du visage précis. Quant à la douche avec deux pommeaux, un pommeau fixe et un pommeau amovible, ça j'ai beaucoup aimé la modernité de cette petite salle de bain, donc je m'y suis sentie bien. Ce que j'ai apprécié dans les toilettes, c'est qu'on a fait l'effort de mettre un lavabo. Et moi, je trouve qu'un lavabo dans les toilettes, c'est indispensable. Si vous passez à Nancy, je vous invite fortement à réserver cet appartement qui n'est pas très loin du centre-ville et surtout qui est hyper confortable, plutôt bien décoré, même si on reste dans quelque chose de très IKEA, végétalisé avec des vraies plantes et surtout très confortable. Cet appartement est simple mais très bien pensé. J'espère qu'il vous inspirera autant qu'il m'a inspiré. Je vous dis à très vite pour une prochaine épisode de Habitat Passager. Portez-vous bien. Bonnes vacances.